acheter une enveloppe. Non, c'est pas la peine. Bon, en fait, moi, je voulais vous remercier déjà tous d'être là. On n'a pas tout à fait émargé, mais je crois qu'on est à peu près. Vous avez été 550, je crois, sur la journée, ou 600, donc ce qui est super. Et puis, c'est le prix de la tribune, ça veut dire que l'objectif, c'était de. On ne pouvait pas se quitter quand il y a eu le jury sans mettre à l'honneur une personne. Donc, vous allez découvrir, je pense, derrière. Et on va la voir tout de suite. On me glisse dans l'oreillette que je n'ai pas. Et une enveloppe. Ah bah si, je m'attendais. Maram Kéré, venez nous rejoindre sur scène. Vous pouvez parler quand vous voulez. Merci, merci infiniment à la tribune, déjà pour nous avoir invités à prendre part à cette rencontre exceptionnelle. Alors, il y a la directrice du partenariat qui fait des jeux de bras pour que je me retourne. Oui, Rose, je suis là, en face. Et merci pour ce prix, c'est une motivation supplémentaire, au-delà de ma personne, pour une jeune nation comme le Sénégal dans le domaine du spatial, où, il faut le dire, nous avons démarré par quelque chose d'inhabituel. Depuis 2006, on se bat à faire la promotion des sciences spatiales, mais en utilisant un vecteur assez particulier qui est l'astronomie. Parce que c'était le seul moment en fait, où toute la population levait la tête vers les étoiles. Et on s'est battu pendant 17 ans à développer l'astronomie jusqu'à ce que les autorités comprennent l'importance du spatial et créent l'agence spatiale. Donc aujourd'hui, la conséquence, c'est que chaque semaine, nous recevons des dizaines de messages de parents qui nous disent « Mon enfant rêve d'être astrophysicien, astronome, ingénieur dans le domaine du spatial. » Et ça, pour nous, c'est des graines qui ont été semées, qui commencent à porter leurs fruits. Donc ce trophée, c'est pour eux également, tous ces jeunes qui rêvent d'étoiles, qui rêvent d'espoir, de spatial. Et pour cette jeune nation qui a des ambitions. Merci infiniment et à bientôt peut-être à vous tous au Sénégal pour le développement de notre secteur. Merci, bravo à vous Maram Kéré.